jeunes est née de nos réflexions, d'un constat, de voir que souvent nous avons des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui manquent de moyens pour pouvoir soutenir leurs projets. Nous avons des gens qui ont une capacité de financement, mais qui n'ont pas ce qui peut soutenir. Donc l'idée est de pouvoir permettre cette plateforme-là afin de leur permettre à tous de pouvoir se rencontrer, échanger et essayer de vraiment mûrir les idées de réflexion afin de pouvoir initier des projets. Ce salon vient encore ancrer le développement que connaît le Togo à travers l'ensemble des investissements qui seront créés. Donc pour nous, créer, soutenir un salon de cette envergure permet à l'ensemble des entreprises de pouvoir s'apprêter pour répondre au plan national de développement qui, à travers ces trois axes, permettent de créer la croissance et de faire en sorte que le Togo aille de l'avant. Aujourd'hui, nous avons le concours Tifertile, effectivement, qui va à la fin... On va décerner des lauréats. On aura des lauréats par rapport au Salon Férine, trois lauréats identifiés par rapport à différentes catégories. Mais outre cela, nous avons des accords de partenariat déjà avec certaines structures institutionnelles comme non institutionnelles qui voudraient déjà accompagner les jeunes. Donc cette dynamique, cette volonté de voir d'accompagner les jeunes est déjà là, elle est présente. Donc nous allons nous servir de la volonté déjà disponible et accompagner les jeunes et les mettre, les convier et les inciter, les orienter dans la direction de ces structures-là qui sont disponibles pour accompagner.